le monde connaît, du moins en France. L'idée du projet Galette Around the World, c'est d'exporter ce monument de la gastronomie à travers le monde, en l'adaptant à chaque pays traversé. Ça consiste à partir à l'étranger et visiter plusieurs pays, et dans chaque pays, rencontrer des personnes qui sont intéressées par la gastronomie. On fait découvrir à ces personnes la galette bretonne telle qu'on la consomme traditionnellement en Bretagne. Ensuite, on leur propose de créer une galette bretonne ensemble avec une garniture issue de la gastronomie locale. Mais on n'en arrive pas là par hasard, et c'est bien l'amour de la cuisine qui a donné naissance au projet. J'adore cuisiner, et pour moi c'est une occasion unique d'échanger. Mais l'intérêt de l'aventure, c'est aussi de se confronter à l'imprévu. Dans notre projet, on n'emmène pas la Bilig, il va falloir s'adapter. Par exemple, lorsque nous avons fait la galette béninoise, nous l'avons fait sur du charbon de bois. Mais au-delà de la gastronomie, Galette Around the World est avant tout un projet de rencontre. L'idée, c'est un échange de culture. Nous, en Bretagne, on y a un formidable produit qui est la galette bretonne. Et c'est vraiment génial de fusionner deux cuisines comme ça. En Irlande, on avait fait une galette à base de boudin, puisque là-bas, ils consomment beaucoup de boudin. C'était vraiment très chouette. Une galette mauricienne à base d'une courge, et puis là-bas, ils consomment beaucoup de cheddar. Et avec Galette Around the World, tout finit toujours avec des sourires. Et voilà!